frérot, c'est Nalep, aujourd'hui une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais packer Messi, sachez-le. J'ai tout mis en place, j'ai fait un plan incroyable. D'ailleurs, pourquoi cette tenue? Pourquoi ce costard, Nalep? Les gars, c'est ultra simple. Aujourd'hui, on accueille le Godol Club. Il fallait se mettre en costard. C'est parti les frérots. Donc les frérots, pour le plan, vous voyez que j'ai Messi dans mon club. Est-ce que je l'ai packé? Non, absolument faux les gars. Je l'ai bel et bien acheté, Lionel Messi. Je l'ai acheté les frérots. 1 275 000. Je vous explique le plan. Pour avoir Messi, il fallait que je l'ai dans le club. Parce que si je l'ai pas dans le club, ils vont pas dire non, je vais pas lui donner, ils voudront pas. Vous connaissez la théorie du doublon? La théorie du doublon, c'est quand t'as un joueur, EA fait que te le redonner. Là j'ai Messi, je l'aurai en doublon. Sachez-le, comme ça je pourrais le vendre. Donc ce qui va se passer aujourd'hui les frérots, c'est que là déjà j'ai 100 player pick. On va faire les 84x10, les 85x10. Mais regardez aussi ce que j'ai les refs. Comme vous pouvez le voir au-dessus de ma tête, j'ai 2 200 000 crédits. Avant j'avais 3 500 000, mais j'ai vendu Messi. J'ai 2 200 000 pour les mettre dans la boutique à la fin si je n'ai pas packé Messi. Aujourd'hui j'ai Messi les gars. D'ailleurs les frérots, je ne vous l'ai pas encore présenté, mais on a notre petit master en bas. C'est le petit frérot que vous allez voir pendant toute cette vidéo qui sera en bas. En train de farmer des packs. Voilà, il est dans la mine de FIFA. Il farme des packs tous les jours. Et à chaque fois, on met des abonnés en bas pour qu'ils farment des packs. Et comme ça, vous avez un peu deux fois plus de packs, on va dire, dans la vidéo et sur les lives. Here we go. Messi, c'est maintenant. On va commencer avec les player picks, les gars. C'est parti, let's go. Si on tape Messi pour des player picks, c'est tant mieux, les gars, en vrai. Le petit Courtois, la première win des player picks, les gars. Ce soir, je live pas, BG. Ce soir, je live pas, je suis avec madame les refs. Balak. Le prochain live, ça sera lundi soir, les gars. Minimum de doublons, en vrai. Oh, Abedi Pelé, les gars. Bon, c'est encore un doublon, mais on prend. Oh, Ruben Diaz, les gars. Bienvenue à ref. Le petit chinois a eu Kier. Le petit chinois a eu Kier, les gars, en bas. Bourigeau, ça me fait chier les gars malheureusement. Oh non, je l'ai déjà. Oh les gars, je suis désolé. Je sais qu'il y en a plein de vous qui le veulent. Et il est incroyable, mais malheureusement je l'ai tapé hier. Ok. Chant, Messi va arriver les gars, sachez-le. Carles Puyol. Karchaoui ou Théo? En vrai Karchaoui pour la note, mais Théo est meilleur. Oh Benzema. Allez les gars, prions pour Messi. Oh, Solskjaer, encore un futis, les gars. Le petit chinois, comme ils disent, là, il a eu CR7, les gars. Il vient de packer CR7, alors que cet abonné-là, les gars, il a déjà le Messi, il a déjà Neymar. Clairement, je crois qu'il a la meilleure équipe du jeu, les gars. Voilà à quoi ressemble son équipe, les gars. Messi, Neymar, CR7, Hansen, Putelas, De Paul, Saliba, Mendy. Ah, les gars, il lui faudrait quand même un meilleur DG. Hein. Il n'a pas l'équipe à 99, malheureusement. Il manque les défenseurs centraux et le DG. Mais franchement, les gars, il a vraiment les meilleures cartes en attaque. Hein. Messi, CR7, Neymar, Hansen, clairement, c'est une dinguerie. Allez, c'est parti, les frérots. À mon tour, 5 choix, 92 plus, s'il vous plaît, régalez-moi. Et on va taper Chic, parce que je vais pas prendre de doublons, sinon je devrais les remettre dans des SBC. Allez, le deuxième, à là-bas. Voilà, bah là, je vais être obligé de mettre dans un SBC, les gars. Hein. En fait, les gars, tellement que j'ai fait de choix 92 plus pour essayer de l'avoir, j'ai tous les joueurs. Vraiment, je les ai tous presque. Regardez, De Bruyne, les gars, c'est pas incroyable, De Bruyne. C'est le luxe, hein, De Bruyne. Hein. Mais les gars, je peux pas. Je l'ai déjà, les refs. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et on va prendre la note encore une fois. Il en reste un dernier, les frérots. Allez, s'il vous plaît, régalez-moi. Oh là là, les gars, c'est une dinguerie. J'ai packé 3 fois Théo Hernandez en l'espace de 24 heures. Allez, s'il te plaît. Régale-moi dans ça, là. Donne-moi Messi. S'il y a Messi, il est derrière. Si y a Messi, il est derrière, les gars. Diego Carlos. Oh, pop, les gars. J'ai vu que Benja, à ce qui paraît, Benja n'arrivait pas à avoir pop. Frérot, moi, j'ai pop. T'as peut-être Messi 4 fois, moi, j'ai pop. Moi, j'ai pop. Oh, allez, s'il te plaît. Le petit Abedi Pelé, ça veut dire qu'il y a peut-être CR7 derrière, les gars. Et il y a peut-être, à la rigueur, Messi aussi derrière. Allez, s'il vous plaît. Wesh, Neymar, les refs! J'ai pas Messi, mais j'ai Neymar! Wesh, oh, let's go! Yes! J'ai packé le pote à Messi!
J'ai vaqué le pote à Messi, mais attendez, Messi peut-être derrière les refs. Les gars, pour l'histoire, Messi derrière, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas Messi. Oh, les gars, incroyable. Bah, 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 bah. Bah, il n'y a pas Messi, mais il y a Neymar, les gars. Incroyable, wesh. D'où moi, je peux avoir Neymar, les gars. C'est une dinguerie. Non, non, 85 fois 10 unités, non, les gars. Allez. R9 ou rien, les gars. S'il vous plaît, R9. J'ai pas R9 encore. Ça, c'est un toss, les gars. C'est la meuf de Lyon. Et donnez-moi R9, je l'ai pas encore. Ah, Schmeichel. Aïe, 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 aïe. Est-ce que ça peut cacher? Je crois pas, hein. Je crois pas que ça peut cacher, les gars. Ouais, non, ça cache rien du tout. Hein. T'es un 24 en live. Bah là, frérot, ouais, on s'adonne hein, pour Messi. Hein. Messi, il est pas là, mais j'ai eu Neymar. Mon plus beau match, c'est Rennes-Arsenal, en vrai, je pense. Rennes-Arsenal, vraiment, le match était incroyable, les gars. En plus, ce match-là, j'avais fait 15 heures d'attente pour avoir... Oh, mais non, mais pourquoi? Putain, De Bruyne, ça fait déjà deux fois le pack aujourd'hui, les gars. C'est une dinguerie. Ah, vas-y, on va ouvrir la main, les gars. Hop, c'est parti. Régalez-moi. Ça, les gars, vas-y, c'est double tot. C'est double tot. Et il y a Smith derrière. C'est pas mal, les gars, mais... Ah, je vous mens pas, ça va aller en SBC, hein. Mais les gars, au moins, il y a 3 tots dedans. C'est cool. C'est incroyable, en vrai. Les gars, ça peut être R9. Retenez ça. Ça peut être R9. Et en plus, un futise. Oh, bah non, attendez, ça peut être Messi. Attendez, c'est la couleur de Messi, ça. Valverde, non. Comment ça, frérot? Comment ça? Comment ça, tu mets la couleur de Messi, tu me donnes Valverde? Ouah, dur. Pourquoi pas packer Messi dans un choix 92+. Même si j'en ai fait au moins 100 depuis le début. Allez. Oui! 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 Let's go! Ceux qui comprennent pas pourquoi je l'ai en doublon, c'est parce que j'ai fait la thérapie, le théorème de tout ce que vous voulez. Le truc, c'est... Tu achètes un joueur pour dire à Ayé de te le donner. Oui, let's go! Let's go! Les gars, le Bayern d'Argentine, il est là! Je fais chier alors que j'ai Messi! La théorème, les gars! Oh la dinguerie, wesh! Let's go! Oh, let's go, les refs! Oh putain, les gars, j'en peux plus! Hey, y'en a, ils vont dire, ouais, c'est Messi, il est nul! Les gars, vous comprenez pas comment on a spam! On a spam tout ça pour l'avoir! Et le jour de gloire est arrivé, les refs! Il est enfin là! Let's go! Maintenant, il y a un nouveau objectif, les gars. C'est Cristiano Ronaldo. Maintenant, les frérots. Maintenant, c'est lui qu'il va falloir. Là, on a eu Messi. Maintenant, il va falloir Ronaldo, les gars. Mais incroyable, il est enfin là, les refs. Il est enfin là. Let's go. Et les gars, je peux rester 10 minutes. Oh, putain. Mais les gars, il y a la prédiction qui passe en plus. Attendez, je vous la montre. Attendez, la prédiction, elle passe. En gros, les gars, pour les viewers de Twitch, on a parié sur ce live-là si je paquais Messi ou pas. Il y a 47 000 points de chaîne qui ont été mis comme quoi on le paquait. Et on a 96 000 points de chaîne qui ont mis non. D'ailleurs, pourquoi les gens ils utilisent leurs points de chaîne et comment tu les gagnes? Les points de chaîne, tu les gagnes en regardant les lives sur ma chaîne Twitch. Ma chaîne Twitch, c'est Nalep-du-bas. Du coup, en regardant les lives, tu gagnes des points de chaîne. Et quand t'es sub, tu gagnes encore plus de points de chaîne. Je crois le taux est multiplié par 1,5. Et du coup, les gars, en regardant les lives, eh ben, ce que tu gagnes, frérot, en gros, tu gagnes tout simplement des points de chaîne et tu peux les utiliser pour ce que tu veux. Par exemple, je note ton équipe. Ça, les gars, je le supprime, ça sert à rien. Les équipes, je les note gratos. Sauf à la fin de FIFA parce qu'on a tous les mêmes. Et par exemple, pour 50 000 points de chaîne, tu fais un AV1. Pour 50 000 points de chaîne, on fait 2-3 matchs en coop ensemble, etc. Et là, ça commence à être intéressant. 150 000 points de chaîne, une carte PSN de 20 euros. 175 000 points de chaîne, un maillot de foot de chez MaxiKit, mon partenaire. Il y a le lien en bio aussi. Et 200 000, le VIP, les gars. Du coup, les frérots, voilà à quoi va ressembler l'équipe pour l'instant. Alors là, c'est pas l'équipe à 99 qu'on essaye de faire. On va dire c'est l'équipe la meilleure possible qu'on peut faire sur le papier, ou du moins des joueurs que j'ai envie de tester. Voilà, du coup, ça fait Neymar, Ham, le petit Messi, la défense, etc. Voilà, regardez sur le banc, on a aussi Karchaoui, Dembélé, on a tout ça. Et attendez, les gars, ce que vous voyez pas aussi, c'est ça. Attendez, je vais vous le montrer. Mais c'est que dans le club, on a encore plein de joueurs. Regardez tout, on a encore des 99, des 98. Là, clairement, les gars, je pense qu'on a un vrai club. Hein. Allez, s'il te plaît.
Donne-moi du lourd, mon ami Pierrot. Prête-moi ta plume pour avoir Grimaldo. Ma chandelle est morte, j'ai tapé Grimaldo. Let's go les refs. Et y a qui derrière? Bon, derrière, on s'en fout. Allez, est-ce qu'il y a un autre futiste, les refs? C'est ça qui est intéressant. Non, mais y a Grimaldo. On l'avait déjà, mais c'est pas mal, les gars. Attends, c'est un futise? Non? Ouais? Attends, double futise peut-être? Oh oui! Oh oui, je crois que c'est un échange 89, les gars! Oh, s'il te plaît, c'est moi une dinguerie. Oh non, la bonne vieille Bombastor. On prend quand même, les gars, double futise en vrai. Hein. Et il y a quoi derrière? Et renta l'échange 89, les gars. Renta de fou! Très renta. Hein. Oh! 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 Double futise. Double futise les refs, allez, s'il vous plaît. Malassia. Oh, double futise United. On prend les gars, ça se trouve, il y a d'autres futises. Hein. Ah oh, Di Natale, il est pas mal le pack en vrai. Franchement, ça tue. Hein. Allez, s'il te plaît. Double futise. Allez, let's go. S'il te plaît, double futise. Oh non, c'est peut-être Pelé, attends. Non, ne me dis pas que c'est Pelé. Oh non, Zico. Oh non! Non! Ah, ils m'ont mis un troll là! Ah, les gars, ça pouvait être tellement pelé! Oh la dinguerie! Oh, c'est dur! Bon, les frérots, on a bel et bien packé Messi. Et on a packé en plus Neymar et encore plein de dingueries. Normalement, je ne devais pas ouvrir ces packs-là. Je les ouvrais vraiment si je packais pas Messi. Mais les gars, en vrai, tellement que je suis refait, on va s'ouvrir deux fois le pack garanti Futis Ultime où là, c'est en gros 1,4 million de dépensés, mais tu récupères 21 joueurs vendables. On va commencer par le premier pack, les gars. C'est parti avec les crédits. On a 3 400 000. Le premier pack, c'est parti. Donnez-moi double futise. Je sais pas, ça va être quoi, les gars. Attends, imaginez si j'ai pas de futise. Attends, ça se trouve, c'est un héros futise. Ok. Papin, et derrière. S'il me donne Messi là, c'est une dinguerie. Vraiment, je vous jure, c'est une dinguerie. Valverde, les gars. On va pouvoir vendre Valverde, mais ça veut dire que le pack, normalement, il est pas foufou, les frérots. On a quoi de suite dans le pack? Bon, il y a des tots, c'est pas fou, hein. Il y a eu deux futises. Ouais, les gars, franchement, je vais tout vendre, les gars. Mais clairement, les gars, le pack, il vaut pas ce qu'il vaut. Hein. C'est parti pour le deuxième pack, les frérots. Allez, c'est pas les points FIFA, c'est bel et bien les crédits. Cette fois-ci, donnez-moi du lourd. Ok, c'est double futise. Allez, s'il te plaît. Régale-moi, c'est qui ça? C'est Gavi. Ok, Gavi, attends, Gavi 97, ça peut cacher des vrais trucs, les gars. Gavi 97, ça peut vraiment cacher des vrais, vrais trucs. C'est qui? Abedi Pelé. Non. Oh, les gars, ça cache rien du tout. Le pack, il doit être nul. Oh, oh le pack, il doit être gaze, les gars. Waouh, ce que je vois là, les gars, c'est horrible. On va ouvrir un pack à 650K, les gars. Et le dernier pack de la vidéo, les frérots, on va faire un pack à 650 000 crédits. Où il y a un joueur futiste garanti à 97 ou plus. C'est parti les gars, 650 000 crédits. Clairement, cette vidéo YouTube m'a ruiné les gars. Oh là là, les gars, ça pue. Attends, mon joueur qu'on me montre, c'est un tot. C'est-à-dire quoi? J'ai pas de futiste derrière? Attends, c'est quoi ce pack là? Ok, on a un Bastoni, super. Les gars, si j'ai pas de futiste, oh ça pue d'effet je crois. Hein. Marquez, attends déjà, normalement j'ai un futise à 97, ça veut dire que j'ai encore un futise. Attendez, ça peut être une dinguerie peut-être, non? En tout cas, il y a beaucoup de cartes spéciales, les gars. Wendy, Renard et Baresi. Bon, voilà le pack, les gars, il y a tout ça. Il y a quand même un petit Baresi, une petite Wendy, Renard. Bref, du coup, les frérots, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bon, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. En tout cas, on a packé Messi et Neymar si t'es resté jusqu'à la fin de la vidéo. Clairement, c'est une dinguerie. Il y a encore du Hernandez et plein d'autres choses. Comme d'hab, les frérots, likez la vidéo, abonnez-vous, lâchez un petit commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas d'activer la cloche, les gars. C'était Nalep. Ciao tout le monde. Bye bye.